Gouvernement dominicain annonce yon gros opération qui visait pour déporter 10 000 Haïtiens chaque semaine. Garçon, dans question la République dominicaine, avant même nous allons rentrer dans la question politique dans le pays d'Haïti, la République dominicaine, gon travail, yop fait la caille. Et m'pense tout, c'est un bon moment pour nous-mêmes nous souke konou, pour nous sortir dans la situation ça. Depuis dans l'année 2019, Marcus, gagné diverses enquêtes qu'a fait en République dominicaine. Enquête ça yo, c'est sous un ensemble de projets yo a gen pour yo commencer, yo a préparé pour 2030 qu'a vini là. Pour yo démarrer. À chaque fois yo pral vini ensemble avec yon l'autre génération dans question technologie, dans question internet. Gen passé men pour yo faire dans société a. Faut yo garder dans qui niveau pays a avancé. Faut yo garder qui mode intellectuel ou gagné. Dans question langue qui avancement que ou fait. C'est pas pour sans raison ou journée jodi a gon paquet pays yo a bataille pour comment yo capable rentrer anglais si tout pays espagnol moun ki parle espagnol yo, latino yo. Y a regardé comment yo capable rentrer anglais à plus dans l'école, c'est pour préparer génération qui va venir. Garçon, là on mené enquête là. Yo ouais, 2030 si on dit on va rentrer ensemble avec G7 la caillo Dominique pour comparer pour ça. Dans ça qui gain ah ouais ensemble avec question éducation. Là on faut constat dans université yo en République dominicaine. Yo wè que majorité moun ki parle plusieurs langues c'est haïtien. Et ou connaît la République dominicaine même, il pas ba haïtien passer la kayli. Non. Ou gen deux bagay pour faire la kayli. Monter nan tête mi. Et non seulement ça tout, travail nan champ. Mais question meto ou soubi ou bagay ça, non bay bay comme ça. Job sa yo, c'est pas job. Nan jou passé yo, te ge diverses manifestations qui te fait devant palais en République Dominicaine. Côté Dominicain ultranational, yo t'a demandé Abinader prend responsabilité. Et s'il pas prend responsabilité, pita Patricio même yo prend nan question déporter haïtien, retirer haïtien la kayo. Marcus, hier réunion en fin fête. Et Abinader annoncé, livré pour chaque semaine 10 000 Haïtiens déportés. Bon. Pendant la décision, ça, et en pile Haïtiens qui dans la diaspora capable de suivre ça, si Haïtiens dans la diaspora, et quel que soit le problème où tu es capable de gagner, éducation, li plus ou moins par rapport ensemble avec Dominique. Li pi facile pour jouer des Dominicains dans la rue, dans question bagay drogue, etc., que yon haïtien. Pas facile, même pour jouer des haïtien dans parti ça. Question pralera, les têtes pleines pour ouais, yon dans la rue, y a bay problème. Dans question éducation, ti haïtien plus focus et yon parle plus langue. Yo konn ki sa yo ap regle parce que lè yo gade nan l'école yo jounen jodi a l'état li mené bon jan investigation li wè parmi ti dominicain yo gen plus passé 30% haïtien nan l'école yo en pile ti haïtien l'école en République dominicaine à cause question insécurité nan pays d'Haïti et ou konnen dirijan yo tout petit yo pa l'école Haïti ça ki pa capable traverser pour aller aux États-Unis, ça qui en bas sanction, sans République Dominicaine, yo mette yo. Parce que l'insécurité dans le pays d'Haïti, yo pas kakembe. Et qu'on y a là, façon yo oué, si Haïtien li même li gon capacité pour l'apprendre, yo pas pral mêle ensemble à coup. Et t'as l'air ou se dit le clé, ça qui te passe,
dans le mois octobre 1939, côté plus passé, 30 000 Haïtiens étaient morts. Donc, président de la République dominicaine à l'époque, l'étape bataille pour Haïtiens pas mêlé ensemble avec Dominicains, trois blacks sous territoire payou. C'est même bagay là qu'a reproduit Marcus. Parce que diaspora la République dominicaine y a préparé yo bon qualité investissement yo pral faire en République dominicaine. Nation que yo besoin, pays que yo bataille pour yo faire. Ensemble de projets yo gagné. Haïtien et yo dit moun sa yo fon mete yo sou côté. Et dans jou k'ap vini yo la ou mettre tétan Jean ouè jounen jodi a en République Dominicaine gagné en pile chinois gen en pile l'autre nation tout k'ap évoluer yo pral plus ouvert ensemble ak moun sa yo pour rentrer en République Dominicaine parce que pa gen problème ensemble ak yo et qui est yo ap chercher c'est moun ki gen capacité tout. C'est moun ki bon en technologie. C'est moun ki parle plusieurs langues. Et rappelez-vous, nan jou passé yo, Abinader te prend décision dans l'école en République Dominicaine, c'est pas seulement espagnol pour yo apprendre si dominicain. Faut que yo apprenne ni anglais tout parce que au konn sa yo a préparé pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans k'ap vini encore. C'est vrai que qualité décision sa yo, y a des conséquences sur République Dominicaine parce que mais devyo joine à bon marché bon côté les haïtiens la difficile pour yo joine ni nan men yon l'autre nation mais kounya la si wap gade ti avantage bab ak moustache gagner des avancées gagner avancé au besoin fait nan pays ou là gagner comment t'es capable dire ça gon façon besoin mettez pays ou là non niveau gon étape ou supposé quitter. Gè des moun, gè des relations ont été gagnées ou obligé couper yo. Ou ap jwenn ni bon marché là, c'est vrai. Mais et technologie a capable avancer à tout. Faut chercher moun qui gè plus connaissance pour rentrer la caillou pour capable avancer. Et kounya là nan question construction, bagay yo complètement update. Donc éliminer haïtien façon yon tap travail, façon construction tap fait, ça pral endommager en pile institution. Ok? Mais ensemble avec moun ke yon ap cheche à tout Marcus, ak technologie moun sa yon gen pou yon fè construction, ça capable rive, yon avance pi rapide et pi yon jwenn pi bon résultat, pendant que yon ap bataille pou éliminer la. Mais koun yon la, bon kote pa nou, c'est qui modèle préparation que n'a fait pour nous recevoir moun sa yo? Parce que yo dit ultranationaliste dominicain yo manifesté en pile si gouvernement pas prend responsabilité envers Haïti envers haïtien yo même yo a marché prend haïtien yo et là yo marché prend yo qui est cap camper pour parler pour pas gen bagay comme ça donc kounya la moun sa yo qui pral rentrer dans pays d'Haïti c'est qui sak préparé pour yo. C'est comment nous pral recevoir yo. Et là yo prend yo pas penser yo pral venir ensemble à cabane. Yo pral venir ensemble à cob. Yo pral venir ensemble avec ça que yo te possédé pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans en République Dominicaine. Yo capable juste prend yo dans la rue ou bien yo débarquer dans espace côté yo rete, prend yo bourrer yo mettre dans machine et puis juste déporter yo. Tout ça que yo te fait rete pour les Dominicains. Et Marcus nan question technologie yo avancé en pile. Gagné divers dominicains dans diaspora qui prend en pile formation nan question et renseignement aux États-Unis d'Amérique. Moi capable di selon information que me gagné, gagnon application que yo créé. Kon application ça pour qui ça ou fait? Pour localiser depuis ses business haïtien en République Dominicaine. Et ultranationaliste dominicain qui plaignait en pile sous question policier qui prend l'argent dans mes haïtiens là que yo fait deal ensemble avec au bracelet au final arrêté yo gagne disposition qui prend pour que yo mette caméra sous policier dominicain yo kounya là yo va le contrôler depuis yo prend
pas de question gérer les soldats, c'est juste déportation que la vie. Et Marcus Gueye, Nations Unies qui annonçait, Jean Bagay la yé là dans le pays d'Haïti. Nan jou kap vini yo la, pour Jean Grand Gouared, divers Haïtiens pral trepasser. La fin pral touye Haïtien. La kay pa bon. Ti sak te de yok tap dégagé, yo pral pimpe yo tourne. Kounya. Ki sa nap fe? Comment nous pral kampe? Ki sa dirijan yo pral di? Ki action ki pral pose? Bel discours dans Nations Unies, c'est très bien, bel bravo. Mais gardez depuis qui l'est. Premier ministre sorti dans le département nord-est pays à Marcus. Il visite canal, qui divers canal qu'a fait. Jusqu'à présent, nous pouvons entendre question manger, comment yo pral faire manger dans le pays. Même barrage Marion la gen de l'eau là-dedans. Nous pouvons jamais entendre qui accompagnement yo pral bay paysan yo. Pour permettre yo faire manger, au moins pour descendre dans tout haïtien qui grand goût. Et l'autre des Nations Unies dit, haïtien pral mouri grand goût, garçon. Y a cherché aide. C'est pas grand goût, à nous, y a vinn baisser dans le pays d'Haïti. C'est multiplié, y a multiplié. Jean qui t'a expliqué hier, c'est que, question aide sécurité, aide santé, aide 10, aide date, yo pas développé pays. C'est citoyen qui mette green nan der ou j'en capable dire pour yo mette sécurité la caille. Abinader lui-même la prend toute disposition pour que li capable sécuriser la caille. Pour que li capable mette toute institution correct pour yo marcher, j'ai supposé marcher. La travaille pour pays et chaque décision la prend en faveur les Dominicains. M'pa quoi la prend en faveur les Haïtiens. Bon, c'est moment pour nous traverser Marcus, pour nous rentrer dans la question et corruption, conseil présidentiel. Et m'a quitté ensemble avec Joël pour ce détail. Parce que je connais Joël qui a le détail. Ou même tout, ou t'as pris rapport à hier qui sorti. Qui ça qui dit, qui sort ouais, et qui sort qu'à expliquer la population en sous-parti ça. Bon, et. Bak we, nous avons besoin d'un rapport à l'embaumement ça là parce que ça a besoin de bon temps. Mais quand Jean m'a essayé de parler de rapport à qui est assez original, c'est que rapport à il parlait de corruption et tout le monde connaît que l'affaire c'est et président ancien président conseil BNCA qui était accusé trois conseillers. Emmanuel Vertiller qui représentait Petite Dessalines, Louis-Gérald Gilles qui représentait à COP 21 décembre, ensemble avec Smith Augustin qui représentait un regroupement de partis politiques, à savoir compromis historique. Et Fondi Mounio, ça en passant, compromis historique là, il y a au moins deux anciens sénateurs qui en bas sanction cap. Pour te bourrer là-dedans, qui c'est Yuri la Tortue, c'est pas un secret pour personne monde, bah quoi Yuri a besoin de cacher encore. Ensemble avec Joseph Lambert, qui en gros dans compromis historique, et moun sa yo, c'est yo qui a poussé derrière Smith Augustin. En plus de ça, il y a un raid de Renal Luberis, et puis aidé de Claude Joseph et ses enfants, ou bien et ses camarades. Qui n'a aidé. Toi, monsieur Sayo, t'es accusé du fait qu'il t'a demandé. Alors, c'est ancien président du conseil BNCA, Raoul Pierre-Louis, qui t'a dit qu'il t'a demandé l'argent pour être capable de conduire dans le poste. Et depuis, il y a Gary Conny, qui est actuel premier ministre pays, qui m'a dit qu'il y a une enquête qui menait dans le niveau ça. Mais nous connaissons que l'enquête là, Gary Conny était plus mandé pour capable fragiliser CPTA que. Effectivement, lumière faite sur dossier. Et ça, c'est dossier politique. Et c'est comme ça qu'on fait politique tout en Haïti. Et c'est malheureux qu'on ait avec Gary Conny, qui passe plus d'une vingtaine d'années comme technicien dans les Nations Unies, Livina n'a pas fait autrement que nek qui gagne 20 ans depuis à faire politique en Haïti. Ça veut dire,
et le blanc dit tout côté haïtien et c'est haïtien nous bal raison. Il dit même le négatif fait 30 ans dans les Nations Unies l'autre côté l'a travaille comme technicien n'a pas résultat mais cool vini dans politique en Haïti c'est blanc bonnet bonnet blanc. Donc et Gary Conis c'est lui-même qui t'a demandé que enquête menée pour qu'on ait effectivement est-ce que n'a côté demandé l'argent mais ça crivait c'est que Raoul Pierre lui prend devant le fait piquer devant hein? Ancien président BNCA et pensant que le tap il t'a tombé pour alors pensant que le tap accusé Negio pour faire Negio démissionner seulement mais il arrive que monsieur li mouille tête li dans dossier qui fait que rapport ULCC qui sorti hier là li pas plus chita sous question 100 millions de gourdes là c'est ça pour nous connaître li ramasser tout témoignage toute conversation tout ça qui était dit entre conseiller yo et Raoul Pierre lui pour examiner ça veut dire pendant que nèg yo concentré sur 100 millions de gourdes là il y en a qui étaient dit yo pas coupable parce que yo connaît pas demander l'argent mais nèg yo connaît pas demander l'argent nèg yo gade l'autre bagarre qui demandé qui pas cadré avec la loi et qui selon la loi c'est corruption donc rapport que ULCC bail là pas chita tellement sur 100 millions de gourdes là li dit mais quantité corruption que nèg yo fait et que nèg yo peut-être yo même tu pas trop conscient parce que on a ici nous pas comprendre que corruption tellement élastique bon bon ti bail que n'a fait c'est corruption que yo et gen loi qui sanctionne yo sévèrement mais comme c'est dans deux niveaux n'a fait corruption gen corruption que n'a fait dans société a dans ti bail que n'a fait chaque jour gen corruption qu'a fait au niveau l'état gen parents qui vont petit l'école c'est même parents ça qui a fait faux carnet c'est corruption et madame Macmouche qui mettait tout ensemble y a brassé de l'autre monde et c'est corruption comme si corruption nous tellement fell nous vienne pas rendre nous compte que c'est parce que dans tout si ça n'a fait en Haïti que corruption lui-même lui présent pour seule l'école fait corruption c'est l'école fait corruption élève l'école fait corruption et corruption dans foyer corruption dans l'église corruption dans péristyle nous normaliser la corruption dans société haïtienne clair Marcus bon son bagage qui est extrêmement important et ça important pour peuple haïtien entendez est-ce qu'on compte combien l'argent un conseiller présidentiel coûte peuple haïtien m'a bien sur ça c'est sur ça bien là Marcus ça moi te me fait oh pays a gen kob pays a gen ti kob mon cher parce que gagné 220 000 goud ça c'est salaire gagné 75 000 goud pour frais fonctionnement gagné 400 000 goud pour caille oui deuxième résidence gagné 500 000 goud 4 prépayés. Gagne 250 000 goud pour gaz. Gagne 20 000 goud pour 4 téléphones, madame. Ça, y a pas expliqué qu'on s'en pas qu'on est. Ça fait un total de 1 463 000 goud, garçon. Et sans oublier 25 000 goud pour ça, c'est quoi intelligence, la garçon? Non, c'est 25 millions goud. Ah, pardon, c'est 25. Pas... Oh, merci. Ah, 25, mes amis, l'éternel, 25 millions gourdes pour, mon Dieu, papa, qui ça y'a cherche, qui intelligence, mon Dieu, oh, l'éternel, papa, qu'on y a la Marcus, t'allez, Marcus, soit nous font calcul total, ok, ça extrêmement important, fon bay pepa ici, hein, ça. On va faire calcul là. Plus 25 moi en bilou Marcus. Plus non, 25 millions. OK, plus 25 millions. Ça veut dire yon conseiller vini là pour 26 463 000 gourdes. N'est-ce pas? Kon y a là, gen moun ki pa fin comprendre goud la net, bon divise le par 5. Avait dit 5 200 000 $92,600 haïtien.
chaque mois dans derrière nous. Et puis pays a pas gagné l'argent. Pays a pas gagné comme. Yo pas ta démissionner vraiment Marcus. Bon, jusqu'à présent. Yo pas ta démissionner. Au grand président coûte nous tout comme ça. Kounya Marcus, multiplier ça par 9 nos garçons. Chaque mois 47,663,400 dollars. Chaque grain mois bon Dieu mette. Mais quantité l'argent, yo pas utile nous rien. Non mais et non, moi crois que 25 millions coup de là, c'est pour yo 7 là. Ça veut dire c'est pour la présidence, oui. C'est pas au chaque là. C'est comme intelligence la présidence. C'est pas au 25 chaque 25 millions chaque mois, c'est pour la présidence. OK. Non, 25 millions pour la c'est pour 7 là. OK, on est allô, intelligence la présidence. Il y a on fait 25 millions. OK, 25 allez Marcus, 25 25 millions divisé par 9. OK. Chaque gagné 2,778 millions divisé par 7 parce que deux observateurs par la donne. Yo, il y a pas que ça. Yo pas la donne divisé par 7. Ça que yo pas la donne. Non, yo pas la donne. Deux observateurs. Yo pas l'intelligence là. Yo mi yo pas besoin. Yo non, yo c'est observateur, oui. C'est garder, y a garder comment ba yo a passé mais yo pas gagne rôle exécutif là. Et ben non garder a tout yo besoin service intelligence pour yo garder. Bon, ba connait si y a gérer yo, non si y a gomba yo l'exécutif en créole. Mais ou gagne pas même pas yo oui. OK, admettons nous t'a divisé le par 7, pas gagne problème. Admettons nous t'a divisé le par 7, divisé par 7. OK. Chaque conseiller présidentiel gagne 3,571,000 goud. OK. Plus et 1,463,0. Ça fait un total de 5,034,428 goud. Yeah. OK, ça c'est pour yon président. Si nous multiplier par 7 parce que dès l'autre yon même n'a quitté ka multiplier par 7. Donc ça vient ba au total de 35,241,000 goud chaque mois. OK. Si nous faisons l'andola, donc chaque président, yo a un bel petit cop dans yo, Marcus. Non, il y a un bail pour yon. Et malgré yo gen ça, pas oublier, yo gagne ministère. Et yo fait petit coup de malta en bas. Yo gagne 420,000 dollars. Yo a demandé petit cop jusqu'à présent, c'est vrai, ça pour qu'on finisse clair net, mais petit cop sous petit cop là, il y a se retracé. Oui, il y a un petit cop qui fait sous lui. Ah, exactement. En tout cas, garçon, ça c'est quantité l'argent chef nous écoute nous, pays à pauvre. Oh, mais, Marcus. Comme d'abord, le dit comme révélation. Et puis, bon, véritable désolation, c'est vrai que, et au moins toi, nèg, a obligé quitter conseil présidentiel là, parce que son question éthique et morale. Il est vrai que dans l'accord 3 avril là, pas qu'il y a aucun côté qui prévoit que si on conseille la corruption, et c'est là le plus dur, qui gens sont capables de remplacer. Donc ça veut dire, ou seulement comment des nègres démissionner. Pas qu'à remplacer. Or, démission sont actes volontaires que liés. C'est moi qui voulais démissionner pour me démissionner. Personne ne m'a pas dit, et comme si je n'avais pas forcé me démissionner en réalité. Bon, alors. On connaît la communauté internationale, disons précisément les États-Unis d'Amérique, capable de dire yo, tu la koyo. Ça, nous connaissons le possible. Mais si c'est pour nèg ici, dirigeant ici en Haïti, pas démissionné sous l'autre dirigeant en Haïti. Yo pas démissionné non plus sous pression peuple. Yo pas démissionné sous pression parti politique que vous représentez. Sinon, si ça le teye, Smith Augustin pas la place encore. Il dit le pape démission. Kounia là capable changer d'avis. Il a décidé de démissionner. Ça va dépendre de qui côté l'ordre la sortie tout.
Et il y a des gens qui font des hypothèses qui disent est-ce que le résultat pour ULCCA, yo pas connait depuis l'ambassadeur américain Chita avec Edgar Leblanc avant même que l'Assemblée générale. Est-ce que c'est pas ça que tu as tout comme garantie qui fait que tu as la possibilité pour aller dans l'Assemblée à participer dans l'Assemblée générale? T'es chargé. Donc ça veut dire comme toujours une hypothèse qui fait qu'on est qui a gardé ULCC pour qui est ça travailler même tout. Parce que une bagarre que étranger connaît c'est que nous tellement bien en corruption, n'importe gens au fond rapport sur nous n'a bien là. Parce que pas oublié, rapport à pas concentré sur 100 millions de gouttes là, non? Rapport à concentré sur 4 qui mal bail. Il concentré sur parole nèg yo, trafic d'influence qu'a fait dans conversation que nèg yo gagne entre yo. Effectivement. Fait tel révoco, fait tel méto et ça au paquet doit répéter au plus haut niveau de l'État. C'est corruption qui et la loi lui-même les sanctionner ça sévèrement. Clair. Donc on y a là c'est problème ça qui vient là, comment yo ka pousser nèg ça yo démissionner. Ouais, en anglais, gagne deux mots. Gagne dismiss, ou bien dismiss, que moun nan li même, li ka démissionner. Gagne resign, ko ka force le démissionner. Est-ce que c'est dans resign nan que nous brale? Comme si force le yo démissionner, qui c'est? Est-ce que c'est gon blanc? Ou bien est-ce que nan yo aprete que yo démissionner pour kont yo? Donc, c'est ça, n'a pral gade, pour nous est-ce que conseiller ou même, yo capable y a prêté là ou bien qui a venu conseiller là tout est-ce que l'a prêté à quatre moun est-ce qu'a remplacé nèg ça tout est-ce qu'a ka remplacé tout parce que moun gen tire même volé on pas besoin remplacer qui était la quatre là beaucoup la comment décision pour prendre Sylvine à quatre est-ce que Edgar Leblanc sourit là parce que il gagne plus chance pour le rester net jusqu'à 7 février 2026 bon dit chinois qu'a chauffé hein bon dit Mais qui c'est chinois qui a chauffé? Ou qui n'a pas un gentil chinois chaud? Si chinois a chauffé, faut le président. Non, en tout cas, Marcus, mon commission m'a accompli là, rapide. Donc, ma passe au connard, ou même ensemble avec Joël, parce que Joël te quelques détails pour le bail sous dossier ça. Donc, avancé, m'a tourné à l'air comme ça. Et bon. Il y a des fonds d'arrêt les Joël là pour nous garder qui ça a fait. Mais il faut me dire que c'est ça gain pour l'instant. Pour l'instant, ces questions ça a posé, c'est comment faire Negio démissionner. Parce que elle est extrêmement grave. Pendant que nous avons plein pour question sécurité qui va gagner. Pendant que nous avons plein pour l'armée pour qu'on camper sous prétexte que pas de moyens pour l'armée à camper, l'argent dépensé. Ça veut dire question l'armée a question l'armée a lui-même question l'armée a lui-même qui pas ca camper apparemment c'est pas un problème mais oublié la police pas ca toucher c'est pas un problème cob c'est tout simplement yo pas accordé moyen avec la police là pour que li fait travailler normalement et c'est ça m'a essayé dit à l'heure. C'est pas une question de richesse qui va gagner, c'est pas une question de cob qui va gagner. Mais c'est qui politique n'a pas appliqué qui pour permettre que l'argent aller côté le talu aller à bon beau cas jeune Joël apparemment Joël occupé et mais n'a essayé talu comme ça, n'a essayé talu comme ça. N'a pas essayé prendre Joël là. Et bon Bon. On essaye pour Joël. Joël, comment est-ce? Marcus, nous l'avons obtenu. J'espère que vous pouvez l'annoncer. Oui, et Femme Zimounio, depuis hier, le rapport a tombé, tout le rapport a ban moi. Et puis. C'est comme si tout dit, me préparer, parce que nous pouvons ouvrir le rapport à Bumounio. Qui sont, ouais, qui sont tendés cap fait et qui sont joués comme conséquence après rapport ça? Bon, avant même nous entrer dans la conséquence, Marcus, n'a pas le soin pour que nous saluions chaque monde, chaque ami qui toujours fait route avec nous, un parcours qui est un petit peu long. On dit que vivre en Haïti, là, mon cher, dans la nouvelle, là, toujours bon titan, et ceci nouvelle, lieu ne vient pas bon plus chaque jour. Et, évidemment, hier, il y a une conférence de presse que l'ULCC, donc, a été informé
délit à dire de 11h du matin côté que tu fait connaître que je vais la déployer rapport et puis venir avec certaines informations extrêmement importantes dans ça qui garde avec rapport ça. Donc Marcus dans une 21 et évidemment conférence de presse a pu commencer. C'est gagné monsieur Jacques Hans une ligne qui était pratiquement accompagné des enquêteurs et il a pas commencé la réponse là. Mais faut que nous disons c'est ton mouvement ou bien c'est ton conférence de presse qui était en cours. On t'a dit un mouvement politique puisque tellement t'es gagné de suspense soit pas bon côté à population soit pas bon côté on t'a dit de journalistes qui étaient présents parce que t'es gagné au moins plus qu'une centaine de journalistes qui étaient venus dans l'événement ça. Donc c'est un événement majeur. En entrée exactement dans ça qui a eu avec information. Eh bien, unité lutte contre corruption rendue publique. Donc, journée mercredi, un rapport enquête sur scandale 100 millions de gouttes. Côté que ULCC recommandé pour mettre action publique en branle ou bien en mouvement. Contre conseiller président Emmanuel Ventiler, Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin, et pour abus de fonction, corruption passive à versement pour le vin. OK? Il était lutte contre corruption Manitou pour mettre à la justice en branle contre Pascal Raoul Pierre-Louis qui a justement lui-même accusé d'entrave à fonctionnement de la justice, abus de fonction, corruption active à affaissement pour le vin. Donc, chaque monde a pratiquement fait face à presque même chef d'accusation et Marcus, donc chef d'accusation ça yo pratiquement gain rapport avec corruption pour le vin, mais tout donc unité de lutte contre corruption c'est pour le jeu pour le bail 5 nouvelles. Évidemment, non yo une nouvelle que le bail yo c'est ça qui s'est pas étonnant puisque vous songez nous gain pour bon titre depuis nous même dans taxe 709 nous t'ai annoncé et finalité rapport ça, nous songez pas comme songez ça parce que c'est que c'est très possible. Donc, à côté que monsieur, il y aura rien pour faire face avec la justice. Maintenant, qui est-ce qui est la cause que l'ULCC, c'est qu'on s'en tranche. Pour gagner le monde dans la rue, là, qui vraiment pas senti que il est confortable par rapport à un rapport à sortir à la justice, puisque c'est le même rapport, il n'est pas sorti comme ça devrait, puisque il y a des questions fondamentales qui posées, mais qui n'ont pas une réponse. Même si on a posé le tout, donc, on probablement pas qu'à répondre. Et Marcus, Baronet, est-ce que Gérald Gilles te demande de blasé? Donc, malheureusement, je ne dois pas gagner tout ça. Nous parlons de ça tout à l'heure. Et Joël, nous parlons de ça tout à l'heure. Et ULC, ce n'est pas concentré sur ça. Il n'y a pas de réponse sur ça. Et il garde de l'autre fait de corruption. Plutôt que nous mettons dans le stade de révélation que nous jouons dans le cadre de rapport ça. Exact, exact. Donc maintenant, est-ce que Raoul Pierre-Louis s'est menti qu'il fait son écho? Malheureusement, c'est deux questions fondamentales donc, qui étaient capables de valoriser l'enquête là et qui étaient capables de permettre que toute bagaille est pratiquement finie. Et selon compréhension PAM, en politique et d'autres personnalités m'ont supporté ça tout, l'ULCC a fait justement son travail ou bien légaliser on paraît bagaille que nous tous te connaît déjà. Par exemple, qui paraît réellement comme de information mise à part de combien corps chaque membre CPT a touché, un million, combien mille gouttes y a coûté par mois. Donc, je pense que l'ULCC, les gars, on a une série de petites informations. Maintenant, qui ça qu'elle est capable de faire? Malheureusement, elle n'est pas capable de faire autrement puisque leur paquet est une confrontation directe. Par rapport avec manque d'informations ou bien une personnalité ou pas là, et bien normalement, les supposer, donc assurer que les mandés, la justice vous fait suivre. Comment formule la supposée? Selon les techniciens en droit, l'IPA revient à ULCC pour le demander, donc pour extrader ou bien extradition la rue de c'est plutôt son. D'accord, ils sont fuite en avant que le fait, puisque ça c'est l'affaire du commissaire du gouvernement. C'est à lui de voir est-ce que pratiquement concerné ça extrêmement important et l'idée est fini ou pas, ou dit monsieur, et s'il doit venir qui sacré la fait, est-ce qu'il a écrit pour l'entrée d'abord, ou dit monsieur, s'il parle d'entrée, est-ce qu'il a demandé pour l'entrée. Donc, on a l'élevage pour l'entrée, pour l'entrée, il est capable d'écrire à pays côté que lié, hein, comme pays d'origine, pour demander s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un cas voyé ou bien est-ce qu'il y a un cas escradé comme ça.
il faut noter, Marcus, même si pays origine ou bien la justice pays côté à vivre t'a mandé donc États-Unis par exemple pour signer mandé pour ta extrader mon tabarou États-Unis il doit choisir par où il va où puisque il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Première raison, gagner mon tailler doit faire demande d'asile, c'est le cas même pour Raoul Pierre-Louis parce qu'il fait demande d'asile. Donc c'est très possible les États-Unis pour calculer pour connaître est-ce qu'il a fait ou pas, mais c'est très possible pour le faire. Deuxièmement, est-ce que Mounan les déplacer qui s'est payé à cause de problèmes de contrainte qui capable coûter famille lui-même la vie. Donc son ensemble de questions ou bien qui capable empêcher que payant d'extrader mon travail. Donc il faut dire que c'est une fuite en avant de la part de l'ULCC. Mais pour certains et pour moi-même tout, je fais un travail extrêmement noble. Qui ça qui prend le gagner comme retombé, par contre, tu t'es parlé de ça, Mounio, gagner le chef du gouvernement qui prend le saisir le dossier hein, et qui prend le mettre à son public en mouvement contre quatre personnalités, ça, parce qu'il y a également Raoul, bien lui, et les trois conseillers, mais il s'agit également d'un certain de Laurent, donc qui lui-même, c'est une monde qui t'a facilité, ok, Marcus? Qui t'a facilité et tu rencontres ton série de petits bagages faits et pour voir comment tu es capable et normalement et je veux un petit corps capable d'avancer, eh bien ça te vient de permettre à ce que donc tu tout mettez action publique en mouvement contre Mounta. Est-ce que ça tout le dit et que conseiller yo pral en prison malheureusement dans des journalistes qui ont dit ça, c'est vraiment pas possible puisque c'est au chef du gouvernement de voir qui ça qui gagne comme indice. Maintenant le dossier arrivé dans mes chefs gouvernement, Marcus, chef gouvernement, il pral fouiller dossier ça by doyen. Donc c'est doyen Kounia qui pral désigner un juge d'instruction qui pratiquement maîtriser qui ca plus maîtriser dossier ça. C'est à partir de juge ça, Marcus, il pral connaît quel est l'avenir de cette affaire. Est-ce que son affaire de qui va le classer, qui ça va le gagner, est-ce qu'il y aura des têtes qui vont couper, comme disait les Voltaire, donc à partir de décision juste ça. Nous pouvons arriver dans l'étape ça, et entre-temps, mais qui ça gagne comme information. J'ai parlé moi-même à l'un des conseillers indexés dans cette affaire, tout de suite après, Marcus, nous finissons sorti la rapport là. Et puis, moi, j'ai senti que lui parlait avec moi, avec en fermeté. Et puis, moi, dit, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on pas touché de rapport ça? Et qui sont dit de rapport ça? Et pratiquement, Gérald Gilles m'a dit que rapport ça, c'est un rapport que ULCC sorti sous emprise politique. C'est-à-dire, donc, ULCC profitait de moments ça pour capable faire pour faciliter donc un travail pour craser CPTA et ceci n'est qu'à assurer que selon Gérald Gilles donc il cherche tout petit indice qui pas important qui pas exister pour capable justement craser CPTA et monsieur dit dans la déclaration qu'il a fait avec moi j'ai noté qu'il dit que l'ULCC est un instrument de persécution politique pour dissoudre les CPT, maintenir Haïti dans l'instabilité. Donc, c'est ça que je partage avec moi comme information. Et les moins dit, Marcus, est-ce que pratiquement, ou pralgué pour aller devant la justice, puisque le commissaire gouvernement pralgué pour le convoquer, juge ou pralgué pour le venir. Donc, monsieur, évoquer que, à qui titre et pour quelle raison? Donc, Marcon, si. Allô, Joël? Je ne sais pas vraiment, et quelle est l'idée de vous réfléchir, mais. On va avancer, on va avancer. Oui, oui. Donc, est-ce que l'IPRA pratiquement d'un bagaille, ou bien est-ce que l'IPRA de quoi que ma fiche, l'IPRA bagaille? Mais ça qui est sûr, on est qui fait office de président, Léo souvent convoqué, ou même j'avais été convoqué Jovenel Moïse, donc il est très difficile pour eux aller. Donc, dans les coulisses, les représentants, ou bien les structures politiques qui étaient entendues, qui étaient voyées, eh bien, Kounian, yo bat bravo, à savoir, monsieur, accord 21 décembre, yo tout net applaudir cette décision, bien sûr, rapport, qui était vraiment bon attente, de la part de la population. Donc, yo, elle est bienvenue. Maintenant,
et qui ça qui a fait pendant la journée. Hier, c'était pendant une rencontre qui était gain entre membres CPTO et on tranche ou bien dans le gouvernement, c'est dans le moment ça rapport ça a sorti. Et pratiquement dans l'occasion tout pour monsieur était tout bas de bouche sous dossier ça et selon ça que moi gain comme information de la part de l'autre conseiller, c'est que monsieur jusqu'à présent Marcus était solidaire avec trois conseillers. C'est-à-dire il ne s'agit pas de Galet Blanc, il ne s'agit pas de Fritz Jean, il ne s'agit pas de Laurent Saint-Cyr, tout l'autre monde qui est dans CPTA, Marcus, il y a un temps pour yo toujours supporter trois Mondao, puisque il y a recouvert rapport à sortir sans évidence. Voici le mot. C'est-à-dire, donc rapport à sortir sans information importante, sans information tangible et palpable. Donc, ben, c'est là. Bon petit problème et réellement pensé qui existait dans le rapport A, et mais non pas qu'à cracher sur puisque yo fait un travail colossal, mais moi-même en tant que journaliste qui a évolué sur cette politique là, moi juste m'en étais point et un bagage qui vient toute ampleur ça pour qui ça et monsieur pas aussi classé, pas classé aussi vite dans la vie. Donc, si ça vous dit, évidemment, Gérald Gilles demande comme là, et maintenant qui hôtel lui demande lui, et ok, donc pour résoudre ça, donc Gérald Gilles avance. Dans le rapport que je vous ai dit, Marcus peut-être capable en dedans, côté que vous décrit que Gérald Gilles, c'est dans la question 4 BNC a conseillé, il te prend, son série de bagages, il te prend, donc monsieur BNC a lui-même. Des bailleurs pour capable faire influence sur pouvoir donc pour le président posti donc ou pas joindre réellement à moins que moi pas lire assez moi j'ai que les documents deux fois déjà bah côté aucun côté que il se donc c'est indexé et bah vérité sur dossier ça qui est-ce qui mentit dans mi-temps dossier ça est-ce que c'est Raoul est-ce que c'est le chef conseiller et c'est raison ça même. Donc, qui fait hier, dans la rencontre, ça, monsieur Otegué, entre eux, ils ont dit qu'ils n'ont pas capable de lâcher trois conseillers parce que la question n'est pas tout à fait claire. Ils ont pratiquement baissé les temps jusqu'à présent de réponse de bagaille qui est plus ou moins claire et nette pour capable de répondre à la question. Mais on se pose une question sur lui avant que nous avançons. Joël, est-ce que qui ça a lié dans le moment? Comme tendance, est-ce que conseil a paré pour yo rete ou bien et tout porte à quoi que représente alors secteur que représente yo a remplacé ou quand même? Son combat. Tous les trois conseillers ont tenu yo pas brané. Une nouvelle qui existait c'est que Smith Augustin d'accord pour le passer place lien avec Edgar Leblanc fils côté le devenir président le 7 octobre Gabriel. Maintenant, secteur accord 21 décembre. Accord 21 décembre, sous Bopal lui-même, lui entendit pour Gérald Gilles aller. Il a gagné trois remplaçants jusqu'à présent. Il a gagné Vickerson Gagné. Il a été choisi même avant M. Gérald Gilles. Il était un problème de classe au patrimoine, donc il n'a pas choisi. Et également, Major Michel, il a choisi pour Tavine. Représenté à Accord 21 décembre, et vin gagnon l'autre bloc qui est bloc équilibriste, donc bloc ça lui-même qui gagne, M. Valérie Dutré-Jacques, il a choisi monsieur, parce que il y a deux grands cabroumets, et il a dit monsieur, c'est monsieur qui est capable, comment dire, c'est monsieur qui est capable de remédier à ça qui a joué dans le mythe tous les démonios pour capable de une solution équilibrée, pour capable de conseiller le bagage qui est. Donc, c'est trois mouns à eux, c'est-à-dire des blocs 21 décembre, ils ont entendu pour révoquer Gérald Gilles. À l'exception que Gérald Gilles n'est pas d'accord lui-même, il n'est pas râlé, puisque selon lui-même, affaire ça manquait classé. Deuxièmement, il y a un compromis historique, RED, et ensuite aidé. Compromis historique et RED, il était dit avant, il faut que tu aies un rapport ULCCA pour qu'on ait une position qui s'apprend. Entre autres, il a supporté M. Smith-Augustin. Maintenant, qui s'accroît le problème dans Marcus, c'est parce que, encore une fois, le rapport à tête en bas, virer l'envers, virer le devant, il y a des questions fondamentales, là, pas de réponse pour lui. Mm-hmm. Est-ce que c'est des allégations? Est-ce que c'est menti, yo baille sous conseiller? À force que, ou pas de réponse, est-ce que c'est menti, yo baille sous conseiller? Eh bien, ni le compromis historique, yo dit, hostile toujours été derrière Smith Augustin jusqu'à ce que lumière fête réellement.
Kounian, c'est seulement aider qui était déjà partant Smith, bien que c'est lui qui a choisi Smith en grande partie, et bien c'est lui-même Kounian qui était là pour la bataille, soit par bon côté Calcom, par bon côté société civile, là, pour capable de remplacer Smith. Avec, il y a un petit Dessaline lui-même qui était vraiment derrière 100 000 ou bien choix que vous avez fait, c'est Manuel Vettilaire, selon Moïse Jean-Charles, il n'a rien pour à question ça. Et généralement, c'est seulement à 21 décembre et aider qui pas supporter le monde qui vous avez choisi. Maintenant, c'est ça qui va gagner, Marcus, selon ça que moi, j'ai demandé avec un technicien. Lorsque nous une situation comme ça, vous êtes capable de faire un exercice de simulation pour vous. Dans une semaine qui s'accroît bien. On dit par exemple, Marcus, la valeur carrément est une président à travers Tichine et puis il y a toute stabilité ça. Eh bien, on va commencer à vivre dans une situation côté que on va commencer à y a des gens qui vont prendre les médias, on va avoir une opposition qui a besoin, à force que la valeur va prendre des yeux pré-contrôlés et là, la valeur va prendre des contrôlés, il va avoir une position différente de Edgar Leblanc, puisque Edgar Leblanc a été supporté par les trois zones indexées dans le dossier ça. Pendant ce temps, reste équipe là, à l'exception de Fritz Jean, il est d'accord pour ces familles Lavalas qui viennent diriger la transition pendant 6 mois ça va venir là. Maintenant, Tony a changé si c'est Lavalas qui vient, eh bien, pour Tony a pas changé, bon intérêt pour Kembe Edgar Leblanc-Fils. Kounian pour commencer à gagner des mouvements parce que Edgar Leblanc-Fils pour le kidnapper ou bien pour faire coup d'état sous pouvoir là. Qui ça qui va le dire? Si ce n'est pas Edgar Leblanc-Fils, le gouvernement doit décider puisque c'est le gouvernement à travers CSP dans Pralditetio. Donc, conseiller ça, il faut que vous mettez disponible pour répondre à une question pour faire classer pour CPT à pas craser. Eh bien, pour CPT à pas craser, le président CPT à pas obligé de aval pour M. Sarou à répondre à une question. Maintenant, si M. Sarou pas décidé à répondre à une question réellement, soit comme ce gouvernement ou bien juge qui a convoqué, eh bien, mon seul moyen, mon seul bagage qui est possible, gouvernement qu'a choisi, rappeler tout policier donc, qui a baillé sécurité avec conseiller. Donc, c'est là, on va trouver un dilemme côté qu'on va avoir 3 mounes en fonction, mais qui n'a pas aucune privilège et qui n'a pas notoriété pendant que mon conseiller de l'autre monde qui va besoin de remplacer. Donc, pour résoudre le problème, ça, mon seul moyen pour résoudre le problème, ça, c'est manifestation, c'est instabilité politique et c'est instabilité à qui va lancer ou bien qui va toucher conscience politique haïtienne parce que c'est celle ça qui a fait. Là, ouais, il y a 3 jours, on va à l'école, on se met à l'école, et là, ça, il va dire, eh bien, il faut tant qu'il y a son bagaille, soit il y a remplacé, soit il y a gagné un compromis là-dedans. Donc, en conclusion, je vais dire que, monsieur va démissionner, je dis va démissionner, d'ailleurs, moi, gagner ça comme information, et reste même CPT ou dit tout, yo pas compte yo parce que question en pas clair dans le rapport UNCCR, Marcus. Mais là encore, Joël, est-ce que yo pas démissionner parce que pas gen aucun procédure qui clair dans le cas d'accord, dans le cas de l'accord 3 avril là, qui dit si yo je n'en conseille dans corruption, mais comment pour yo soit faire démissionner ou bien soit remplacer, ou bien yo pas démissionner parce que ou bien yon pas démissionner parce que yon estime que yon pas représenté groupement ou bien parti politique ou bien regroupement qui te voye yon dans CPTA. Qui raison que fait yon choisi pas démissionner parce que l'ogade et gon aspect moral et éthique nan bagay la? À mon avis, moi gen 2 raisons officielles. Moi gen 2 raisons officielles, mais gen 1 raison officieuse. Dans 2 raisons officielles là, c'est que tout le monde dit dans la presse, yon nan sa fait besoin de doula. Mais si on dit, c'est menti qu'ils ont fait sur eux parce qu'ils n'ont pas jamais demandé comme ça. Et on dit, ils ont compté sur ULCC dans le rapport là pour ULCC, c'était final dossier ça, pour ULCC, c'était venu dans le rapport, ils disent, selon un disque mien, l'emmène de Géraldine, l'emmène de Emmanuel Vettel, l'emmène de Spito, l'emmène de Raoul, eh bien, 3 conseillers, ils n'ont pas jamais demandé comme ça. C'est ton rencontre, c'est ton duvet, c'est ton cocktail, c'est ton petit manger que tu as fait entre amis, pas de rien, ah ouais, à question l'agent ça. Bon, côté Raoul, tout lui-même, les capitaines que l'ULCC dit, à savoir que indice que nous gagnons, eh bien, mais qui ça qui existait, donc, Raoul, évidemment, 3 conseillers ont demandé l'argent ça. Donc, parce que question fondamentale, ça va répondre, en rapport là, eh bien, il vient permettre à ce que Marcus,
Donc, pas aucune décision que monsieur Olé prend, puisque il a toujours été, il a dit, c'est menti qui a fait sur eux. Deuxième réponse, non. Monsieur Olé croit que parti politique ou bien groupement politique qui voulait changer, c'est parce qu'il y a une bonne gestion. Donc, selon, il y a un conseiller, et parti ou bien regroupement politique, tellement mandé, tellement fait des offres, tellement dit, mais ça a besoin, mais ça a voulu. Donc, il vient de trouver un moment, donc, c'est comme si c'était pays à vendre. Donc, à force que, yo pas capable de bailler tout ça, yo mandé, yo, les partis politiques, yo, justement, voulaient changer, yo, et bien, pour ce faire, yo pas qu'à d'accord, yon changement pareil, parce que, mon groupe de monde qui pas satisfait assez. Mais, réponse officieuse, là, c'est que, selon moi-même, gagner un fautif, quand même, dans le dossier, ça, et, c'est sûr que, si toi, monsieur, démissionnez, ou bien, si toi, monsieur, quitter ça, l'IPAP trop en faveur. Moi, pas dit que, évidemment, selon ça me connaît, je demandais comme là. Mais moi, dit que, à force que yo voyez dossier, aller, non, yo mettez action publique en mouvement, ça montrait qu'il y a des indices, il y a des preuves contre yon nan moun yo. Yon nan groupe moun yo. Baron Zoula, ma puce. Oui. Soit contre Raoul, soit contre, trois conseillers. Mais et Joël, Raoul va et ou parlez de indices, moi li rapport là et effectivement pas gagné, li pas clair question si ou te mandé 100 millions de goud là. Mais il y a de l'autre indice qui est suffisant pour ta mandé nèg yo mettre action publique en mouvement contre nèg yo. Il y a question 4 là, il y a question et conversation bon que il s'est dit que le gagné côté nèg yo, yo a fait et trafic d'influence, ça veut dire ça yo c'est il y a une loi qui sanctionne et qui catégorise comme des faits de corruption. Ça veut dire, c'est vrai que. Sans vouloir. C'est vrai que, n'est-ce pas capable de demander 100 millions de gouttes. Il est possible qu'il va demander 100 millions de gouttes là. Mais ça ne veut pas dire que n'est-ce pas exempt de tout reproche. Il va faire corruption. C'est là pour n'est-ce pas déplacer débat. Débat, ce n'est pas seulement question de 100 millions de gouttes. C'est est-ce que n'est-ce pas utiliser position yo pour que yo joigne des avantages dans l'État. Et là, nous comptons ça veut dire. Et c'est un fait de corruption que lui. Donc, n'est-ce pas qu'à dire qu'on dit ça? Oui, parce que sans vouloir être l'avocat du diable, mais ma essayé de bagaille sur question et 4 là. Et moi, je dis ça avec M. Sonnet, qui est avocat. Alors, j'ai parlé avec lui hier également, avocat Raoul. Je me demande, monsieur, quelle raison qui fait que Raoul t'est décidé, parmi tout ça qui existait, yo, c'est un 4 de crédit qui était décidé par monsieur. Eh bien, suivant les postes, monsieur Mamouin, moi, je viens de comprendre ma gamme en plus. 4 de crédit, hein, c'est pas. C'est un fait normal pour le monde qui a 4 de crédit. Ni pour gagner moyen pour payer, ni pour gagner preuve qu'on est capable de payer 4 de crédit, hein, ou capable d'aller dans n'importe quelle banque ou la donne, si vous faites demande là. Il n'y a pas de réel pour. Il y a un bagage pour que vous tête là, Marcus. Tout le monde qui a 4 crédits dans le pays, 4 crédits dans le pays, par président pays, ou bien par un conseiller dans le pays. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le conseiller qui fait que vous n'avez pas gagné 4 de crédit. Donc, 4 de crédit, selon ça, moi-même, Gérald Gilles, avocat Metsonet dit différent. On m'a parlé de plus de. 1 million, combien 1000 gouttes. Et Raoul parlait de 20 000 dollars américains sous Ticatlan. Donc, Gérald Gilles parlait de 1 million 800 combien 1000 gouttes sous Ticatlan. En aucun cas, on Ticat, par exemple, dans le cadre de crédit, hein, Marcus, selon compréhension, on Ticat, ou pas capable de prendre si tu n'as pas ou pas de preuve comme on rappelle. Maintenant, selon le document que moi t'ai ouais, qui était disponible, son série de tickets que vous avez, et procédure yo était bien rempli. Et me dit ça avec Oudi, au époque, oui, monsieur Weltou, Oudi t'es ouais autour. Moi-même, comme client, mal les nombres, moi dis, moi besoin de carte de crédit, je dis, combien qu'on va toucher, moi dis, ma carte est en taxe 709, y a payé une X. Et chaque mois, eh bien, ok, ma cabaye Y ou même ma cabaye Tana X en chaque mois, eh bien, il dit, ok, mais ensemble des documents qu'on est capable de signer et à partir de quel moment.
moi-même, moi, t'es ouais des documents qui signent et il y a une façon de t'avoir régulé. Comme c'est des politiciens haïtiens, ils ont tous ces volants, ils ont Antonio, ils ont dit, il y a pas de crédit, mais ils ont pas chambé, même j'ai un pile de qui prêtait comme Luna, ils ont pas chambé mettre lui, mais procédure là, il était fait. Qu'on pour qui est mon avantage là? Avantage là, lui, pour Raoul plus, parce que Raoul montrait que lui-même n'est pas dans la corruption. Mais qui ça peut poser problème, non? Dans l'information, dans la conversation que ULCC a dans le milieu et Marcus, c'est parce que dans la conversation, Raoul dit qu'on va commencer ainsi, on va commencer comme ça. Et ceci, il a interprété, et qui probablement c'est la vérité pure, les Raoul dit qu'il a commencé comme ça, ça t'a dit qu'il a commencé à verser 100 millions de gouttes là sur 4 de crédit. Est-ce qu'on comprend ça de là? Et bien, on sait de l'autre message qui dit tout, non, c'est trop peu, c'est trop petit. Mais ça, c'est de, ça suffisant comme indice pour yo... Non, ma vini, oui. Kounyan, il y a ce qu'a dit, que comment yon client fait mander un carte de crédit, banque l'an dit, mais qui quantité la bali, et puis pour client, dit non, il est trop petit, et c'est pas dans un bureau à qui aller, c'est par des messages WhatsApp ou bien des messages SMS. Oui, bien sûr. L'ULC, c'est venu ça dans le même comme indice. Premier bagage, il est capable de dire, gagner de indice de corruption. Parce que indice de corruption, il faut que tu aies gagné, pour que tu aies gagné corruption totale là, il faut que tu aies gagné interprétation, il faut que tu aies gagné confrontation directe là. C'est parce que tu n'es pas capable de confirmer le qui fait que tu demandes confrontation directe là. Et puis, confrontation, t'as pas dit, eh ben, mais qui est-ce réellement qui va mentir? Donc, là, ULCC seulement gagne presque même élément d'information, nous-mêmes comme journalistes, nous gagnons. Maintenant, qui ça, accord 3 avril l'a dit? Accord 3 avril l'a dit, parler évidemment de soupçon de corruption et vérification de corruption. Est-ce que, il a vérifié? Est-ce que soupçon de corruption? Évidemment, oui. Mais est-ce que les vérifier et les clarifier, malheureusement, les PACO? Maintenant, si le PACO, qui est une possibilité, oui, secteur capable de remplacer Mounta, s'il juge ça important. Est-ce qu'on l'a m'a plus? Oui, m'a entendu. Maintenant, trois conseillers, yo chita sont une seule raison. Yo pas travail sur l'accord 3 avril là, parce qu'il y a 3 avril là, pour qu'on publie. Qui donc, yo pas capable de tout démissionner par rapport à qui yon, règlement qui est dans ou accord pour publier. Kounyan, faut accord ça publier, et les accords ça publier, accord après le dit, et bien Kounyan va commencer à mettre en évidence qui s'attend dans accord. Qui raison qui bloque accord après le publier? Majorité monde qui est dans CPTR, ainsi que le gouvernement haïtien, Marcus, je regrette que je dis ça, pas de yon qui conformément avec accord 3 avril là, de manière claire. Malheureusement. Accord 3 avril, là, t'es dit, mais comment vous choisissez ministre? Mais comment vous choisissez premier ministre? Mais comment vous choisissez directeur général? Et mais comment pour toucher en tant que conseiller? Mais qui est ensemble de privilèges ou pas? Il ne faut pas de gagner. Donc, accord 3 avril, là, c'est un problème lié pour vous toutes. Et comme étant donné CPT a été mangé comme service d'intelligence déjà, vous toutes n'ont problème pas vous. Et bien, tout le monde, accord 3 avril, là, pas qu'à sortir. Et bien, Kounia, monsieur, entendu tout. Yo pas démissionné suivant ça à 3 avril là de même été posté comme une attaque. Mais en l'autre côté Joël, il vient plus facile pour jouer une solution politique parce que si à quoi pas répondre. Évidemment. Et yo obligé adopter une solution politique et c'est peut-être une solution jeune solution politique ça qui a fait que et gagne deux trois conseils peut-être tout ensemble là et puis dit next ça nous écarter yo. Et là ça pas personne qui dit non puisque yo tout d'accord pas sous égide accord 3 avril là. Donc si Kounya, si à quoi pas répondre, et à quoi c'est lui-même qui t'a supposé charte ou bien règlement janvier là, s'il pas répondre, c'est adopter une solution politique. Donc, moi-même, d'appuyer mes solutions politiques, ça adopter et faites vite. Pour, si c'est 4 moun napkembin, kembe 4 moun nan, si c'est 1 grain moun napkembin comme président jusqu'à 7 février 2026, nous kembe, au moins qu'on est, gen 1 président transition, hein, et que tout moun capable focus sur lui-même. Alors, ce que je dis, je pense que le pays a tenu sur ça.
scandale là arrive trop loin, doit une solution qui fait, qui vini. Maintenant, est-ce que nous obligés déjà une solution sans enquêter ou sans de preuves tangibles? Bah, on est. Il y a des journalistes qui ont l'autre dire que moi, puisque nous chaque classe sommes différents. Mais moi-même, comment que moi, ouais, que nous passons pile misère pour nous arriver à former bagages à créer les CPTA. CPTA, depuis l'elle montée, c'est instabilité. Évidemment, du côté pays, il y a un paquet de bagages. Mais moi, je crois que, faut qu'ils fassent tout ça au capable de pas craser CPTA parce que CPTA va plonger pays dans l'instabilité pire. Parce que, on dit, ou craser CPTA, aucun bégari connaît seulement comme premier ministre. Mais CPT n'a pas obligé de craser. Si c'est 4 personnes qui ont prêté, 4 personnes ont prêté. Non, et ma question est confiance. 3 conseillers ont suffisamment d'informations si vous voulez aller pour craser CPT à net. Non, mais il n'est pas obligé de craser. Bon, moi, vraiment pas t'aimer que le craser non plus. Mais. Marcus, je me débrouille. On dit que Marcus, moi-même, avant là, qu'a fait émission ça, pour une raison pour l'autre, nous tolérons, nous fautifs, nous avons une série de dossiers. Et puis, on choisit un dossier qui concerne les biens maintenant là. Et puis, moi, je confirme que je vais aller. Et qui est-ce qui va aller pour m'aller, c'est où? Et ou même tout, ou même les grands anneaux qui ont fait ou bien qui ont fait là tout. Qui ça m'a fait, ma plus? Évidemment, je pense que deux grands réseaux qui motivent CPTA, pas capable de craser, pas capable de lâcher M. Sayo, premièrement, c'est trop mauvais deal. Trop vieux monsieur gagne ensemble depuis là où commencé, depuis là où rentré. Trop mauvais paroles, trop discussions drôles qui gagne entre eux. Trop comme qui tout est-il payant, donc qui est-il poche, qui est-il ménage. Donc est-ce qu'on connaît? Conseiller bien 2, 3, 4 ménages, comme si ménage officiel, il n'y a pas plus. Ça fait 2, 3, 4 ménages officiels, sans compter si ménage gagne dans le bureau, sans compter mon cabine de service, qui aide, mon cabine de yo. Donc, vous comprenez? Donc, c'est des quatre, c'est gaz. Mon question de gaz, mon question de quatre, mon question de frais. Il y a un conseiller, moi, qu'on est là, qui gagne, pour petit deux ou trois, quatre ménages qui gagnent six, quatre dans l'État, sans aucune base. Oui, aucune c'est base. Corruption. C'est-à-dire, il y a exactement, il y a un qui prend cob. Le on va faire changement dans le secrétariat par les nationales, il y a un qui fait changement. Il y a un qui prend cob tout. Reste cob qui te gagne pour travail présidentiel, yo. Donc, sous question à faire Ariel Henry. Allô, Joël? Non, mais on comme ça, oui. Est-ce qu'on pense que. Oui, je suis là, ma fille. Oui, oui, vous m'avez avancé. Vous avez un petit pause, vous m'avez avancé. Un paquet comme qui pratiquement a fait, donc qui a fait, et même, yo, même, c'est des comme qui ont mangé. Donc, chaque conseil, yo, moi, je dis ça comme information. Moi, il y a certaines informations, il y a un pile d'autres informations qui est capable de déranger CPTA toujours, qui a fait 100 millions de gouttes. Ok, il y a un pile d'informations qui a dérangé CPTA, pire toujours, de l'autre monde. Évidemment, tout le monde n'est pas capable. Mais tout le monde fautif parce que il y a trois l'argent, il y a trois informations que nous avons surtout dans trois données. Donc, tout le monde fautif dans les données. Moi, je pense que CPTA, c'est à trois conseillers ou bien la justice un qui est capable de prouver négligence dans la corruption et puis demander avec rescoa pour mettre les ça disponible pour eux. Et deuxièmement c'est négligence qui a pour décider former à coup pas dit ok bon ma transition chance pour l'avancer parce que nous pas quitter pays à cause ça. Mais dans le cas contraire personne conseiller pas capable de dire non puisque yo chaque la comme donc bon on comme que négligence gaspille ensemble nous choisir ba yo. Mon l'argent qui était là pour assainissement. Ouais, comme assainissement, ça, et Marcus. C'est bon budget qui était pipitien dans l'an. Il était 28 millions de gouttes. Mais 28 millions de gouttes, donc on peut que ça le pour le monde qui a un mégaphone dans tout le pays, hein? Pour le monde qui a essayé de parler, qui a essayé de faire information, qui a sensibilisé le monde, pas jeter fatra, l'on fatra, mais qui ça pour faire. C'est-à-dire seulement pour ça, les communications, oui, dire de bouche à l'oreille, là. C'est-à-dire qu'on est qui a un mégaphone dans l'an. Et Mbappé Zedou, l'autre cop qui était pipiti ou bien qui était avant dernier, il était 80 millions de gouttes. Mbappé Zedou pour qui ça le dit. C'est-à-dire, chaque mois, pendant 6 mois, assainissement, tu as 28 millions de gouttes qui sont disponibles pour les gens qui parlent.
dans les gaffons, dans les gaffons, dans les gaffons, dans les gaffons, 80 millions de gouttes. Après, ils ont fait 36 millions de gouttes. Donc, pour paquet de bagaille, 300 combien millions de gouttes pour les travaux. Donc, compte comme ça, yo. Et qui est-ce qui prend, yo? Est-ce que son seul conseiller prend, yo? Et qui s'accélère avec, yo? Est-ce qu'il y a assainissement? Yo, même nous, les gouttes, il y a des gens qui étaient dans la rue après acter à l'eau, des gens qui ont fait mouvement pour propre, et qui t'a pas qui est que la grâce et l'assainissement, ça t'a pas aidé. Malheureusement, les gens volent comme ils ont mangé comme yo. Donc, le gouvernement n'est pas capable de servir à tout le monde qui a commencé à nettoyer la rue. Donc, malheureusement, il est obligé de faire un petit campé à cause des dettes. Donc, on ne peut pas être exemple, on ne peut pas être là. Ok, ok. Mais Joël, et on continue à parler de rapport parce que il y a un bon point que nous avons supposé prendre pour que nous éclaircissions beaucoup plus. Mais effectivement, Jean Baray là, il y a son solution politique qui vous joigne. Et nous ne pouvons pas dire qu'on a pris une décision sous base à 3 avril. Nous pas qu'à dire n'a prend décision sous base sa partie politique qui pense puisque ouais si nous t'a demandé pour ULCC faire rapport sur monde bon nous pas qu'à demander ça c'est citoyen yo parce que faut citoyen comprendre que n'importe deux trois monde qui met tête ensemble là qui ouais que gon ancien politicien qui riche bien vite qu'à demander ULCC et font rapport sur monde ça exactement le jodi a là 3 octobre là trois grands citoyens qui ont dit ULCC font rapport sur Claude Joseph, il était premier ministre. Nous avons monsieur, d'un coup, monsieur est en plein argent. D'un coup, nous avons aidé. Nous avons eu moyen, mais il a fait campagne. Font rapport. Où est-ce que ça? Tout citoyen, regardez, deux, trois citoyens qui ont dit ça. Ça veut dire ULCC ouvre, il doit rester ouvre pour ça. Pas oublier dernièrement, il y a un journaliste qui dit ça, non? Qui prend initiative. Et qui m'a dit ULCC font travail sur ancien ministre planification qui c'est Aviol Florent. Et nous, le résultat, c'est vrai que je dis à Aviol Florent et Florent pas des barreaux, mais il y a des difficultés, qu'on le veut ou non. Donc c'est beaucoup. Bon, c'est des exemples qui montrent à clair que et demain, ça doit venir de citoyens. ULCC, ce n'est pas lui-même qui va choisir de faire rapport sur le monde. Comme ça, c'est pas demandé de faire rapport pour le monde. Exact. Donc ça veut dire c'est si citoyen yo vle gen des moun yo ka mete en difficulté. Demain là, si gen 10 moun ki di ULCC font travail sou Martelly, la obligé fèl. Si ULCC demain matin di font travail sou Jocelyn Privé, la obligé fèl. Donc jodi a la nou gen zouti nan men nou. Nou gen moyen nan men nou. Nou gen loi nou nan men nou ki ka permettre que conseil de avancer que fait nan bataille contre corruption. Malheureusement gen pile moun ki pa pense que gen pouvoir ça, que gen droit ça comme citoyen. Qui fait que y a des avancées pas faites dans quatre batailles contre corruption dans le pays. Merci un peu, Joël. Demain, n'attendons-nous. Demain, la rapide, bonne journée. Donc, et voilà, nous vraiment, et t'es Joël qui font bon tir ensemble avec nous. Et j'ai, avant de finir, dit que malheureusement, et nous, ouais, que politiciens, yo, yo beaucoup qui fait différence entre ça qui est essentiel et ça qui pas essentiel. Que n'abdi depuis quelque temps. Et c'est ça méthode là et c'est ça qu'ils utilisent au Canada, aux États-Unis. Dirigeants ont choisi faire ça qui est essentiel que ça qui pas essentiel. Je dis à malheureusement ça qui est essentiel c'est que et bon pays que les République Dominicaine qui s'est voisin nous hier qui font réunion sous affaire souveraineté pays a et moins content ouais que gagne un Conseil national de sécurité et de défense l'autre bois qui a pris tout bagarre en charge. Ça que m'a parlé là depuis quelque temps, que nèg yo refusé appliquer puisque ça existait déjà depuis novembre 2020 sous Jovenel Moïse. Yo été collé nos affaires CSPN qui pas marché, qui pas permanent, qui pas capable de résultat. Yo été à perdre du temps donc on bagarre qui pas essentiel. Et pourtant, nous avons 32 ans Abdil avec et force étrangère. Un pays qui dit que le souverain. On paye qui dit que le grand monde tête li, on paye qui gagne 220 ans depuis que l'indépendant, li gagne 32 ans là, l'a deal avec force étrangère. Comment pour gagne force étrangère ou deal avec et puis pour gagne sécurité, stabilité durable. Ou pas gagner parce que la présence de la force étrangère même dit que ou son pays qui a prêté instable. Donc comment faire pour nous sortir la donne? Gagne moyen pour nous sortir la donne. Et c'est sous ça de supposer gonfler force nous. Au lieu pour gagner moun ki nan CPT k ap mande l'argent nèg ki nan gouvernement k ap brasser
tout qui besoin dans l'élection, alors que pour qu'on ait une condition qui réunit pour l'élection faite, puisque pas gain sécurité en un pays. 32 ans, moi-même, c'est ça qui dérange. 32 ans, nous obligeons une force étrangère qui peut aider à gérer la sécurité dans un pays. Donc, de 93 à 2025, moi-même, prend. Alors, 2025, c'est le sa mission force multinationale à bout. Et nous, c'était mon première mission, c'était mis civil pour moun qui moun année 80 ou qui certainement te kon moment ça. Et de 93 à 2000, te gagné en force ici, c'était mis civil qui te fait sous leadership États-Unis qui fait 7 ans. Qui durait alors 7 ans et qui coûtait 14 millions de dollars. 14 millions de dollars, vin gagné UNMIH qui vient après qui fait pratiquement 3 ans et qui coûte un paquet l'argent. Donc, de 93 à 2023, si nous prenons avant et force multinationale là, et nous sommes capables de dire que c'est un paquet l'argent qui dépensait. Paquet l'argent qui dépensait. Et je dis, si nous contrôlons les quantités COP qui dépensent de 93 pour arriver 2023, c'est près de, nous avons fait des comptes en dernier, nous avons gardé l'information, c'est 9 milliards 192 millions de dollars qui dépensaient pour affaires sécurité dans le pays. 9 milliards 192 millions de dollars et puis il reste que yo qui dépensaient dans affaires force multinationale, force étrangère de 93 à 2023. Si depuis 2004 nous t'ai ramassé l'argent pour gérer question ça. Nous te recampé l'armée d'Haïti. C'est sûr que je dis à l'an, pas d'abgé tout problème ça. Parce qu'on le veut ou non, t'as toujours gagné gang dans le pays. Mais depuis qu'il y a l'armée qui campe solide, qui pour défendre le territoire, qui pour répondre avec Zach Théoris, bandit pas qu'à dire la prendre territoire. Bandit qui a été dans une zone à petit coup de balle. Tout côté, même aux États-Unis, il y a bandit, il y a gang. Conseil de pays qui plus ou moins stable, mais qui est terroriste, tout, non parti là-dedans. Mais, yo pas fait la loi. Yo pas. Et prend des zones pour diable contrôler. Yo obligé par l'état. Mais si nous gagné l'argent de ramasser depuis 2004 nous tinap camp recamper l'armée pour nous et corriger une action politique que Aristide avec international a été fait, là ici me parle comme ça. Et Salvador pour 21 000 km² environ, légèrement plus petit que Haïti. Salvador, il y a au moins 48 000 militaires. 48 000 militaires. Haïti, 27 700 km². Nous pas même qu'on gagne 6 000, nous pas même qu'on gagne un bon 3 000 soldats, 3 000 militaires. Mais qui ça qui empêche que nous ramassons l'argent? Nous font budget pour l'armée, nous dit, nous mettons au moins à 30 000. Même si nous pas mettons à 48 000, nous pas rabattre nous mentir. Mais pour que ça ne pas dit que nous mettons à 30 000 militaires? Comme mon pays, quoi, il dit, fait pas gagner l'armée qui campe solide. On l'armée de 30 000 moun qui pour défendre territoire, pays, qui pour assurer la défense nationale, qui pour répondre aux actes terroristes qui ont fait dans le pays. Mais comment vous voulez battre contre le terrorisme avec la police? Ça n'a pas de sens. La police n'est pas formée pour combattre le terrorisme. C'est l'armée qui est formée pour le battre contre le terrorisme. D'ailleurs, les militaires n'ont pas à ton côté. Les militaires n'ont pas à ton côté pour ces deux bails ou battre de lui. Militaire apparaît au côté pour le red côté, il paraît pour le neutraliser. N'importe qui longe un bout de bois devant militaire la pélimino. Et pour ça le former. Et pour ça le former. Nous connaissons un film, côté militaire est intervenu dans une zone. Il y a des gens qui levent un lance-roquette pour aller tirer sur militaire tirer. Parce que militaire pas mourir pour. Il pas prendre risque là pour et pour ça le former pour neutraliser tout le monde qui campe même un petit bois ou boulanger. Donc ça est extrêmement important. L'extrêmement important pour nous comprendre. Donc je dis à la Banque mondiale qui dit que n'a perdu 900 millions de dollars par année. 400 millions de dollars dans frontière yo parce que il y a un contrebande qu'a fait. 600 millions de dollars dans port yo. Et pas moins que dire, c'est Banque mondiale grand pile l'économiste qui reprend ni. Tout le monde voit l'argent ça n'a perdu. Mais ça fait ne pas prendre disposition pour sécuriser frontière, port yo pour nous faire au moins même là ne pas faire 900 millions en rentrée. Nous coûtons 100 millions pour ne faire coquin. Mais au moins, nous avons 700 millions.
Nous te kan entre 700 millions de dollars. Au moins, nous avons un budget pour l'armée Andi, nous prenons 200 millions de dollars par année pour nous gérer 30 000 militaires. Et puis, nous avons 50 millions, nous faisons 250 millions pour les militaires et les policiers. Mais ça, c'est un élément de solution. Ça m'a découragé, c'est vrai, mais nous avons fait. Nous avons fait. Et bien, moi, je dis non. Banque mondiale qui dit, regardez le cop qui a perdu dans la frontière en Haïti. Regardez le cop qui a perdu dans le port en Haïti. Parce que les postes frontières, ils viennent des espaces privés. Ils ont fait contrebande, ils ont entré à faire, ils n'ont pas payé l'État. Port, ils ont entré, ils n'ont pas payé l'État avec tout ça. Imaginez-vous, pour un port là, c'est madame, mon sénateur qui est responsable, tout l'argent vient dans le même. Pour un nègre dans le secteur privé, c'est la KLI pour inspecteur la douane vin chita pour ba la possibilité pour l'entrée avec produit sans pas payer l'état en goud. Donc ça veut dire 500 millions de dollars que tu as supposé rentrer par année dans port yo, nous pas arriver rentrer parce que gen contrebande. 400 millions de dollars qui t'a rentré dans frontière nous pas arriver rentrer parce que contrebande, yo c'est pour député sénateur. Madame sénateur, maintenant sénateur, nèg qui dans l'état moun qui pas dans l'état tout mais qui gen contact sénateur avec député, avec président, avec ministre, avec directeur général. Donc, je dis à l'essentiel pour que nous allons là. Nous disons, bon, trop gagote. On suspend mandé. On a là. Moi, c'est ça. Chaque jour, je parle de lui si c'est pour ça. Parce que moi, je refuse de parler de problème. Je garde des solutions qui sont possibles. Et ça, c'est une solution possible. Ça, c'est une sécurité frontière avec Poyo. Et c'est ça que je remets. Et ça fait même besoin de l'armée à recamper solide. Parce que pas normal. Besoin de l'armée à recamper pour une question historique, comme mon pays de quoi ici. C'est l'armée qui bat l'indépendance. Jodian bagay au moins l'armée de 30 000 à 35 000 moun. Mais Jodian, République Dominicaine, jou, li pral pimpe toune, 10 000 moun par semaine. En plus, 10 000 moun, ça, c'est 10 000 jeunes garçons et jeunes filles. Gen nan qui étudie médecine, gen femme qui étudie médecine en République Dominicaine, ne beaucoup kontou wal travail. Mais ou te kalte dans l'armée, a évolué comme médecin dans l'armée. Oui. L'armée a bagay moun ki bouti écoute bal seulement, gen médecin, gen ingénieur, gen agronome, gen tout kalte moun. En dedans, ou comprenne, gen aviateur, gen nan kap conduit et camion. Il y a des cap conduit poids lourd. Il y a des gens qui travaillent dans la marine. Bateau. Donc, ou bien tout calte moun dans l'armée. Et pour que ça ne va pas apprendre moun ça, et puis tout n'est pas dans l'armée. Et pas l'argent qui pas manqué. Nous ne pas chercher l'argent parce que c'est difficile pour nous. Nous ne pas manquer à des intérêts. Parce que deux, trois nègres ont décidé qu'ils ont fait 400 millions de rentrer dans la poche. Yo, et personne moun pas manqué. Si vous avez pour oligarque, c'est moun ça qui oligarque. C'est bon ça au coligat. Comme si nous n'avons pas 250 millions de dollars par année pour nous dire qu'on a campé l'armée avec la police solide. Hein? Salvador Fell, nous n'avons pas fait. Conseil de pays dans l'Amérique latine, nous n'avons pas fait. Alors que même Banque mondiale dit nous ça. En plus, gros économiste, si tu as dit, tu es d'accord sur lui, tu as un problème. Non? Personne ne va toucher le problème. Non? Donc, il faut que nous recampions le système de défense pays. Moi, ça fait mal. Hier, le mot information en République Dominicaine me dit qu'est-ce, monsieur? Negyo gen Conseil national de sécurité et de défense pour la souveraineté de la République dominicaine. Ça veut dire, yo même yo dit yo souverain, yo son peuple souverain. En réalité, nous même c'est notre tête nous lié, li pa existe en réalité. Ya. Nap dit nous son peuple souverain, nous gen souveraineté. Et nan bouche, et nan tête nous lié, mais li pa existe en réalité. Ya. Parce que au moins nous pa gen des institutions qui pour permettre que, qui pour garantir l'existence de l'armée avec la police. Qui pour faire ou faire travail yo, qui pour retirer dans sa nye la. Moi clair sur ça. Si nous pas recamper la mi avec la police, café nous a coulé avec ma. Dans 10 ans encore, Kenya ou pralé n'a retourné gon force multinationale. Parce que problème qui pose là, son problème pour l'armée résoudre. Son problème institutionnellement l'armée doit camper pour le résoudre li. Faut qu'il y ait des organes permanents qui réfléchissent sur comment problème ça a évolué. Parce que jodi a nous gen on série de nèg là. Qui c'est Izo, ti la, pli n'importe jan ou rele la. Demain, yo ka transformé en de l'autre monstre. Est-ce que n'pare pour neutraliser yo, le ou fin transformé? Parce que ti moun kap vin après yo. Y'a pi méchant, y'a pi du. Passe nek ki la yo. Et yo gen technologie, yo gen YouTube, y'a gade tutoriel. Y'a gade une série de gros matériel. Depuis yo ka jouen kote pou acheter matériel sa yo, pou yo nui la République. El koun yan bral gen problème. Oui? Nous va penser à ça. Donc, comment pour nous, je dis à la, ce qui est à l'ordre du jour, ce n'est pas comment pour nous recamper l'armée, il y a tout bon vrai. Moi, je suis prudent avec la question de l'armée, mais il est nécessaire. Il est nécessaire.
li nécessaire. Donc, moi je pense que pas gen souveraineté sans défense, pas gen dignité sans défense, c'est même gens pour un corps humain, pas gen santé pour un corps humain sans un système de défense. Ou le système immunitaire, c'est système de défense ou faible, n'importe si poussière vous aller, n'importe si poussière bon grippe, n'importe si infection, n'importe si bagaille vous aller. Parce que système défense quoi pas répondre. Et gon niveau système défense tellement faible, même vitamine C pas ka mettre au campi. Moun ki médecin au compte ça m'a dit ya, pas gen aucun gens ka gen la santé sans un système défense. Pour encore, c'est même gens pour un pays ou pas ka dit que ou son pays qui gen souveraineté sans qu'on pas camper un système de défense qui gen l'armée qui opérationnel, qui gen effectif, qui répond en l'air, qui répond à terre, qui répond sous la mer. Ou pas ka parler de dignité comme peuple sans que ou pas gen première institution qui bon indépendance là qui force peuple là peuple libéré à peuple libre campé opérationnel ou pas capable de dignité sans l'armée sans la police qui campé frais qui campé mine qui touche qui fait travail li on l'armée qui campé mine qui campé frais qui campé pour défendre intérêt pays qui défendre territoire pays pas aucun moyen pour nous sortir comme ça. Merci à tout le monde qui t'a suivi live là et nous prenons reste là nous parler à Joël. Nous faisons ce travail là après Foucault. Moi-même, je parle avec comme tout, comme citoyen. Même j'en bats information comme journaliste. Et je pense que je dis, il n'est pas trop important pour me rester sous Louis-Gérald Gilles seulement, Emmanuel Vertiller seulement, et Smith Augustin seulement. Il est plus important pour nous garder qui ça nous capable de porter comme solution. Je pense que journaliste là, commentateur, citoyen, il doit davantage là pour. Attire attention autorité au sur des solutions qui possibles même si j'aime t'a dit à l'heure nous pas jouer 900 millions hein, mais si nous ka jouer 600 millions hein, au moins nous ka réduire bol blé a nous ka éviter bol blé a nous ka éviter cuir allonger le parce qu'on peut mendier pas une dignité et c'est dans ça pour nous sortir. Merci à nous tous, rendez-vous demain pour une autre édition journal, toujours même équipe là, présentateur yo avec tout correspondant yo avec ou même tout qui est très important qui non seulement à suivre mais qui échanger ensemble avec nous. À demain. M'ramasse paquet moi. Cause habitant pas misé la ville. M'prale. Mais m'a quitté na bra papa bonji parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde. N'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.